Hop, t'as plus d'éther. Bim. Hop, l'imprimante, elle marche plus. Qu'on est là. Les hommes des émissaires risquent de frapper. Hop, les pots de fleurs. Bah, y'en a plus, mon gars. C'est fini, les pots de fleurs. J'ai bien compris. Je me planque dans le matin. Ils vont croire que je suis un clodo. S'il vous plaît, petite pièce. Bon raccourci. Tu crois qu'on peut encore rouler? Je pense pas. C'était un peu haut. Je viens te sauver. Oh merde. Oh la vache. Et... vous êtes sûr qu'il fallait les envoyer eux en mission? A la base, ils sont pas censés. Oh putain! Ouais, j'y suis! Allez, autre moi, putain! Oh là là, oh là là! Oh là là! Putain, comment j'ai réussi à me coincer là, viens voir! Bah, non! Mais sérieux quoi? Elle en a rien à foutre quoi, la camionnette. Elle monte tout quoi, c'est le cheval de Skyrim. Là, c'était peut-être un peu. Oh là là, bah, oh là là, bah, l'autre, elle monte les pattes avant, les pattes arrière. Tu vas pas le faire ça, si? Oh si, il y a un petit passage. Il y a un petit passage pour deux roues. Oh là là, oh là là, et cette camionnette de ouf. Oh, ce qu'elle m'a monté. Qu'est-ce là. Qu'est-ce que tu fous là-haut, toi? Camionnette, c'est... je sais pas ce qu'elle fait, mais... les trucs de ouf, elle monte tout. La Poste présente... Comment rester zen quand on déménage? Alors souscrivez au pack déménagement sur laposte.fr. Maintenant, ouvrez grand vos chakras et laissez la Poste vous aider. Allez, non, mais me fais pas ça, monte! T'en as déjà vu des pires quand même. Waouh, waouh, waouh! Ah, on peut le faire en fufu ou on peut prendre le véhicule tourelle qui est devant moi. C'est un choix. Franchement, c'est au choix. Allez, tu montes ça. Attends, j'essaie déjà de me battre contre la montagne. Bear Grylls en camionnette. Oh là là. Ça va être tellement beau dans la vidéo, ça. Oh. Eh mon gars, t'auras jamais fait ce que moi j'ai fait. Parce que l'apocalypse peut survenir à tout moment, il faut être physiquement prêt à tout moment. Est-ce qu'on pourrait pas créer un conflit entre les deux? Je pense pas. Comment tu veux créer un conflit? En tuer un. Combat Santa Blanca Unidad, ma gueule, bim! Cet homme. Et nous, on arrive après avec le 4x4, vas-y. Ta tête, elle passe? Oui, elle passe. Non, mais nous, on fait dans la discrétion, mais la discrétion, on balèque. C'est des Boliviens, quoi. S'il te plaît. Putain! Putain, mais non, mais t'es sérieux, arrête tes conneries quand même! J'ai trébuché, il y avait un caillou, je l'avais pas vu! Oh putain, ils sortent de la cantina, les mecs! Ah. Oh, on n'avait pas prévu ça. C'est peut-être plus l'heure de bouffer chez eux. Je sais pas quelle heure il est. Bon, le sniper. Voilà. Voilà. Ah bah, j'allais le faire. Bon, bah, ça va, je peux en tuer un peu ou? Qu'est-ce que tu fous là-bas en même temps?
Bon, lui, je dois pouvoir me le faire. Lui aussi. Et lui aussi. Voilà. Voilà. Tu prends les deux de gauche, je prends celui de droite. Ok. Quand un, tu veux. 2, 3. Ils sortent. C'est bon. Alors lui, il a essayé de rattraper la grenade, mais apparemment, il a pas réussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un voyage humanitaire? Un mort par vie sauvée. Eh, c'est un bon ratio, hein. Bah, ça fait l'équilibre, tu vois. C'est l'équilibre de la force, putain. Et ouais, putain. Et ouais. Et ouais, mon gars. Quand je reviens, je vois les virages, je fais oh là là. Et oui, Jamy. Nous transportons des ampoules en verre. C'est toxique. Et ça explose. C'est un poison qui pourrait tuer la France en 7 secondes. Et pourquoi ça explose, Jamy? Elle dit c'est facile. C'est un principe à queue à mélanger avec de l'azote et de la nitrate. Saupoudré de nitroglycérine. Une petite secousse et pouf, ça pète. Et ça pète quoi? Ça pète le camion, Jamy. Il faut suivre. Frag lancé, quand même merde. C'est la fameuse récolte à la greux. Je voulais les mettre devant toi pour que tu sautes, tu crois. C'est un terrain miné.